Just going home. Have a late, late show. Don't want to meet me at home. We could sleep in or stay out late. Order takeout or make pancakes. It's up to you. Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis pas du tout maquillée là, je suis vraiment en fin de journée. Il me reste pas mal de taf et tout. Mais donc je voulais vous tenir un peu au courant de ma vie. Cette semaine j'ai les amphis de départ à l'étranger. C'est à dire que jeudi en gros on va décider d'où on part à l'étranger. Donc comment vous dire que je suis un peu stressée. Bon, en gros je vais essayer de partir avec Jules. Enfin notre premier vœu serait la Chine. Donc je vous tiendrai un peu au courant. Donc voilà, on verra. C'est trop, on va finir vraiment en Belgique. Sinon par rapport à mon classement je suis assez contente parce que... on est beaucoup plus à être classé que l'année dernière suite au fait notamment qu'il y ait plein de gens qui soient pas partis finalement en deuxième année avec le Covid et tout. Et j'ai augmenté quand même de places alors que la plupart des gens ont perdu des places. Et genre je suis vraiment trop contente parce que je me suis donnée à fond l'année dernière sur le taf, donc je suis contente que ça paye. Elle le voit sortir le soir dans son manteau noir. Quel désespoir. Bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour puisque nous faisons les amphis de départ. Sur quoi? Coucou Pauline. Ouais. Ah ouais, moi je l'Écosse, ça me tenterait. Je vais tirer la chaîne de papier. J'entends. I'm feeling faded. All day, every day, that's the same shit. Reminiscing that times in my dogs in the backyard. I gotta deal with the fake shit. Spending all day on my phone. Never stopped scrolling down so I don't feel all alone. It's my dogs, my family, my home. That's why I got it tatted on my back. Cause I hope one day you will send me back. Put me on a map. Keeps me hitting harder than the motherfucking slap. High that I fall but managed to adapt. Go give me a call cause it really drive me mad. Ready to fall cause I won't tell you how I feel. Cause solo. And I don't want to bring you down. Par contre, on va pas falloir parler, c'est bientôt. Eh, vas-y, on crie. Non, non, vraiment. Merci. Je suis déjà pas bien. Par contre, vraiment, après avoir fait ça, je vais vraiment chercher Jules, je dis que je vis. Je sais pas si. Bonjour, je souhaite me déclasser à la 505ème place. Indonésie, il y en a encore. Le gars Zagreb, il restera des places, je pense. Moi, si je vais en Slovénie, on est juste à côté. Je suis tellement en train de stresser là. Il manque deux. C'est ça. Je veux pas de faux espoirs. Okay, merci. Oui, bonjour. Je vais prendre University of South Carolina, Aiken, au premier semestre. Allez les poulains. C'est votre moment. Quand tu fais pas de conneries, tu dis pas de bêtises. Non mais je rigole pas. Hey, non mais vraiment. Et sinon tu dors sur le canapé. Bonjour, je voudrais un Big Mac et une grande frite. Non là, je suis déclassée, donc ça se voit que tu parles avec toi. Donc, c'est bon là du coup. Tu laisses la salade, si tu veux démarrer. Nous revenons maintenant au 432e. Oui, je vais prendre Nanjing University au second semestre, s'il vous plaît. Au deuxième semestre. Moi, je vais également prendre Nanjing University of Aeronautics and Astronautics en Chine au S2, s'il vous plaît. 507. Mais vous aviez eu largement la place. Welcome les copains, je vous retrouve donc on est samedi soir et je suis là parce qu'il y a un putain de couvre-feu et que j'en ai trop marre. Vraiment j'ai envie de sortir, j'ai envie de faire la Java mais j'ai trop peur de me prendre une amende. Déjà que je m'en suis déjà pris une alors que je n'étais même pas, enfin bref. On va pas s'éterniser sur ce sujet. Il est 22h, je suis en train de manger. Je pense que je vais regarder un petit peu Riverdale et je voulais vous parler, vous tenir un peu à jour. Parce que je sais pas si vous avez compris, voilà. J'ai trop... envie de vous raconter. Donc jeudi il y a eu les amphis de départ. Il y avait d'ailleurs Noémie qui était à la maison, je sais pas si vous avez vu. Bref. Non je tenais aucun souci.
il y avait les amphis de départ pour les départs à l'étranger. J'étais extrêmement stressée, vous vous en doutez, vous me connaissez. Je vous avais dit, en vrai, genre, on avait pensé à la Corée, mais enfin, on savait qu'on n'aurait pas la Corée du Sud. Et même, c'est hyper cher, donc c'est pas forcément notre premier vœu. Notre premier vœu, c'était Nanjing, donc en Chine, qui est une ville à une heure de Shanghai, qui est pas du tout connue, mais qui a l'air incroyable. Et voilà, donc avec Jules, on avait genre 70 places d'écart et on voulait vraiment partir tous les deux. Et donc finalement, on a réussi à voir Nanjing, donc je suis hyper contente. Enfin vraiment, genre je pars au S2 en Chine l'année prochaine. Tout le monde a eu ce qu'il voulait, enfin vraiment, je suis trop trop heureuse, genre c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. De base, la Chine m'attirait pas forcément, mais j'ai trop envie d'aller en Asie. J'espère pouvoir aller avant au Laos, au Cambodge et tout, parce que bah, vous le savez, j'aurais bien aimé partir l'été dernier, mais j'ai pas pu. Je vous avoue que vraiment c'était un soulagement incroyable, parce que j'étais extrêmement stressée depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, vu que les classements en plus ils sortaient 3-4 jours avant, donc on savait pas si on avait beaucoup de place d'écart ou quoi. Ensuite, je voulais vous demander si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo un peu FAQ. J'ai pas envie non plus d'être trop lourde, surtout que c'est dans quasi un an que je pars. Mais ça vous intéresse que je fasse un peu une vidéo où je vous explique peut-être plus en détail, enfin où je réponds à vos questions par rapport au stress, par rapport à comment ça se passe les échanges quand t'es en école de commerce, ça tout ça. Je sais que quand je serai en Chine, si j'ai toujours ma chaîne, mais j'espère, il y aura énormément de vidéos sur ce sujet-là, et il y aura énormément de vlogs, et il y aura énormément de trucs, de contenu, mais j'ai peut-être envie aussi d'en faire un peu avant, vous voyez, pour que vous suiviez le processus et tout. Surtout que j'aimerais bien apprendre les bases du chinois, donc je me dis que ça pourrait être intéressant de vous montrer tout ça, même si je pense que je vais galérer. Sinon, bah, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez, voilà, si vous trouvez que ça va être cool et tout, si vous avez envie de voir du contenu, voir des FAQ, je sais pas, pour discuter avec vous aussi nos attentes sur la chaîne, enfin j'en sais rien. On pourra en discuter ensemble. Bref, aussi un autre truc, si ça vous intéresse, en gros je fais partie du BDA à mon école, je pense que vous le savez, enfin, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, et la plupart de mes amis aussi cette année, et donc un album a été réalisé par le BDA et par plein d'autres gens de mon école, voilà, pas que par le BDA, mais c'était le BDA qui l'organisait, et notamment Céleste, que vous voyez tout le temps dans les vidéos, qui était pas mal responsable du projet. Et si ça vous intéresse d'aller écouter les sons, qui sont incroyables d'ailleurs, il y avait eu un album qui avait été fait il y a quelques mois par aussi par le BDA, et genre j'utilise parfois les sons, et ça m'est déjà arrivé que vous me disiez qu'ils étaient super, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Normalement il sort en même temps que cette vidéo normalement, donc il vient de sortir, donc n'hésitez pas à aller écouter et tout, ça me ferait trop trop plaisir, et à partager les sons si vous aimez. Donc voilà, donc là je vais manger, je vais regarder Riverdale, je vais faire du montage, c'est tout réchi. Ok les gars, donc là je vais clairement clôturer cette vidéo parce que je vais prendre ma douche, je vais me maquiller, je vais continuer à taffer mon montage, je voudrais boucler le montage pour poster la vidéo à 18h et après je vais essayer de rendre, enfin j'ai un travail à faire qui est trop long, donc je sais même pas comment je vais faire. Ensuite après je vais un petit goûter avec le BDA pour la sortie de l'album, enfin je vais essayer d'y aller si j'ai le temps. Et ce soir, je suis avec Jules, donc voilà. Enfin bref, ça va. On va clôturer tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez streamer l'album. Ok. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur la Chine et tout. Voilà, je sais que c'est pas le weekly vlog où il y a le plus de trucs, encore une fois, de ma vie. Mais quand même, il y a eu un petit peu du mouvement et des petites aventures. Donc dites-moi surtout si mes weekly vlogs vous plaisent toujours, ça vous intéresse toujours de voir ma petite vie. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mon Instagram. Évidemment, je fais des gros vidéos. Bye bye.